新的。 suis in L.A. My flight was terrible here, oh my gosh, so bad, but je made it to L.A. Um. <laughs> elle a, quand elle parle de lui, elle a à nouveau ce regard lumineux, elle a... non c'est vrai qu'il y, y, y a quelque chose de fort entre eux, je pense, ouais, c'est vrai, plus fort qu'avant. Ok, salut à tous les amis Alors aujourd'hui, il paraît qu'il y a un nouveau prêtre qui est sorti, le prêtre Cube. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. Alors c'est le gros deck du moment qui a buzzé, mais comme jamais. Je suis un petit peu sur le cul. Ah oh tiens, je suis, toujours, je suis toujours bien placé alors que j'ai pas joué depuis un petit moment. Euh... Bon moi je suis sur le cul honnêtement je l'ai pas trouvé sur HS Replay donc c'est du tout frais tout neuf moi le truc me vient des, des youtubeurs anglais que je suis évidemment toujours en quête d'inspiration et du meilleur deck à vous présenter je suis beaucoup les youtubeurs anglais évidemment euh, pendant que d'ailleurs les youtubeurs français sont en train de mais les amis c'est un truc de ouf si vous suivez un petit peu l'actualité Hearthstone en ce moment, tout le monde est un petit peu en train de, de retourner sa veste, d'essayer de se recycler. D'ailleurs, j'ai vaguement évoqué la chose en introduction. Mais euh, ouais, tout le monde est un petit peu en train de, de, de chercher. C'est normal, puisqu'on arrive en fait en fin de méta. Donc, c'est le moment où en fait présenter des decks standards, en fait, c'est pas, pas rentable sur YouTube. Si vous voulez faire des vues, il vaut mieux présenter du Battleground. Donc, euh, bah voilà, chacun, euh, chacun fait ce qu'il peut pour euh, sortir son épingle du game. Et donc, bref. Pourquoi je vous parle de ça d'abord bah Parce que bah, ça m'a bien fait rire. Et en plus de ça, parce que bah, ce petit deck, mine de rien, qui arrive en fin de méta et qui est complètement surprenant, m'a bien mis la puce à l'oreille. Vous savez que j'adore jouer prêtre. Et, euh, et ça fait quand même super longtemps qu'on n'a rien de, de bien sexy. quoi, Au début, le Galacron était vraiment cool. Mais là, il est quand même bien reculé. Euh, il est quand même bien reculé. <laughs> il a quand même bien reculé dans le classement, on va dire. Maintenant, c'est 58% après de Galacron. Enfin, c'est vraiment pas rentable de le jouer. Beaucoup trop long. Donc, on va se taper un petit shaman aggro, apparemment. Mm. Shaman totem, veuillez m'excuser. On va lui mettre ça. Et comme ça, s'il contrôle pas, bah, prochain tour, apothéose. Ça y est, quoi. C'est fini, j'ai gagné. Enfin, c'est l'idée en tout cas Alors le deck, ah, il va contrôler Ah oh, quel vieux rageux Et il doit avoir le truc à zéro qui donne plus de l'attaque j'imagine Si c'est que ça franchement Ha Ah trop laid Alors là le problème c'est que ça c'est cool Ça c'est très cool hein. J'ai bien envie de la buff Mais ça c'est quand même très cool Parce que si je chope un petit sort derrière Je peux le rejouer Ah ça, je, peux, je peux le jouer est-ce que j'ai intérêt à le jouer Réfléchis. C'est chiant parce que euh, au prochain tour en fait. Non, j'ai pas intérêt à jouer ça. Ça pourra me servir pour tuer cet totem 0-3. Ces petits totems 0-3 qui vont lui permettre de piocher, bah ça peut me permettre de les défoncer. Euh, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me disait euh, putain super vidéo machin mais euh, mais tu fumes et, et tu bois ou je sais plus quoi donc je m'abonne pas quoi donc bon je crois qu'il avait pas compris le le principe de la chaîne bah ouais je fume et je bois pourquoi parce que euh, quand j'ai fait cette chaîne en fait mon but c'était de faire une chaîne d'ailleurs ça l'est toujours hein, clairement c'est de faire une chaîne qui en fait et je vais pas dire me ressemble hein, ça fait très euh, très philosophie de comptoir mais en fait je voulais faire vraiment une chaîne comme j'en ai envie comme je suis et, euh, et donc la voilà, alors ici, on est un petit peu embêté, il faut bien le reconnaître. Ça, ça a l'avantage de ne pas mourir, mais du coup j'ai fait mon coin comme un abruti. Ça, ça n'a pas tellement d'avantage là maintenant, il est trop faible. Par contre, ça a l'avantage que je peux le healer, donc si c'est intéressant, j'ai bien fait de faire mon coin. Ah Ah ça j'aime bien On pourra pas... On pourra pas healer, mais il reviendra à la vie. Je vais regarder ce que j'ai avant, je vais le faire parce que là si j'ai un petit sort, enfin tout tout ce cyclage de sorts, c'est vraiment magique pour moi. Le problème c'est qu'il va le buff comme un porc au prochain tour. C'est pas trop grave. Il pourra pas, il pourra jamais le buff vraiment trop, je pense. Je joue un peu vite. Alors évidemment, le but c'est de réussir à copier des gros serviteurs que vous buffez de tour en tour avec l'écorcheur d'esprit Carige que je vous montre ici ou alors euh, de leur donner en fait un râle d'agonie avec rune de la tombe. Donc là il peut tout trade Ouais voilà, c'est pas, pas trop grave puisque je vais tout tuer avec une nova en fait. Il consomme... Ah Ça c'est moche. Ça c'est moche que ça sorte... Ouais c'est un peu dommage ça. Bon de toute façon il m'aurait contrôlé. Évidemment elle elle arrive maintenant. J'ai pas de dragon en main. Sinon le briston aurait été super intéressant ici. Ouais, il aurait été extraordinaire. Mais on a peu de dragons en fait avec ce deck. Hein. On en a 2-3 je crois. L'idéal en fait c'est d'avoir vos sabres de mana un hein, mid. Là ils sont pas tombés. On va quand même essayer de s'en sortir. La nova ici est pas dingo dingo. Le truc c'est qu'elle a l'avantage de tuer cette créature. Hmm, pas évident puisque lui, lui est assez chiant. Je vais quand même faire nova. Je vais quand même faire Nova pour le garder sous contrôle, mais c'est fort contre les totems, donc c'est peut-être une erreur. Je connais pas bien ce qu'il joue en fait, ça m'a l'air d'être un drôle de deck. Ouais, voilà. Il va balancer ses totems du coup. Comme je vous avais dit, hein, je l'attendais. Ça pose aucun problème puisque c'est celui-là qui est intéressant pour lui en fait. Et c'est celui-là que je vais tuer pour zéro grâce à ça. Euh, J'ai encore une Nova, certes magnifique, mais c'est pas du tout, du tout, du tout ce que je veux quoi. C'est très énervant là. Euh, il me faudrait un, au minimum un dragon, là ça sort vraiment à l'envers, c'est chiant. En fait l'idée avec le deck, c'est que vous avez des créatures qui peuvent pas être tuées, ou si elles sont tuées, elles vous confèrent un avantage, comme celle-là, mais bon là j'ai pas de dragon, c'est vraiment pas de bol, mais sinon vous avez des créatures comme par exemple le démon abject. Qui est en sommeil et vous profitez du fait qu'il se réveille pour le buffer et en faire une énorme créature. Et vous avez des créatures comme euh, l'écorcheur qui peut pas vraiment être tué, puisque s'il est tué, il va rappeler une créature. Vous avez le sabre de mana qui a furtivité. Donc en fait, vous avez des créatures comme ça qui vous permettent de les buffer. Et une fois que c'est fait, boum, vous balancez une de la tombe dessus et vous balancez scission de la psyché. Et là, ça devient complètement malade. Là, il a un bol de cocu, il fait une énorme erreur, il aurait dû frapper avant. C'était complètement idiot. Il savait pas si j'avais un dragon. Il aurait dû frapper avant. Un adversaire qui a beaucoup, beaucoup de chance ici. Ok. Ça va être difficile, là. J'ai tellement fait une mauvaise... C'est un truc de fou. J'ai tellement fait une mauvaise sortie que mon adversaire va réussir à me battre. Regardez, je n'ai aucune créature. Voilà. Donc là, bon, bah... On va pas insister. Euh... Pff. Bon, on va pas insister, ça sert à rien. Là, honnêtement, on voit déjà un des points faibles du deck. On voit quand même que... Euh, bah, regardez ma main quoi. Je n'ai absolument aucune créature, c'est le gros truc. C'est bien beau d'avoir euh, des buffs et tout à mettre, mais si vous n'avez pas un fond de créature à utiliser, ben... Bah... Après, c'est peut-être une mauvaise sortie. Mais honnêtement, moi, j'ai l'impression que là, dans le deck, il y a quand même un petit manque de créatures. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Je serais d'avis peut-être de retirer au moins euh, un des sorts à 4 pour rentrer un démon belliqueux à 2. Ça me semble beaucoup plus logique, voire même retirer pourquoi pas une Nova Sacrée hein, d'ailleurs. Ça pourrait être une de la tombe que je vous montre ici ou Nova Sacrée, mais je pense que l'état, à part pour les druides, voilà, bon, voilà, ben je tombe contre un druide forcément, mais à part contre les druides, Nova Sacrée est vraiment plus si folle que ça. On va garder ça et ça, on va essayer de snowball. Il aura du mal à contrôler des deux, des deux trois, je pense. Si j'ai ça, voilà, ça c'est bien. On va coin T1, on va T2. Il aura pas les moyens de de contrôler les deux en fait. Puisqu'il a des sorts, il faut penser à ça, le druide a des sorts qui tapent pas deux. Du coup si je fais T1, T2, T3, et après derrière je balance des buffs et c'est la fin du monde pour lui. Il a des sorts qui infligent deux points de dégâts, ils ont rarement Colère dans leur deck. Alors évidemment, c'est un plan de jeu, mais évidemment lui il a, col... il a Colère, <laughs> quel connard <laughs> quoi Mec, c'est pas possible Mais... Eh ben, ça c'est bien, ça c'est de la bonne sortie. De toute façon, là, on a Sabre de mana, on trouvera un truc. Là, s'il contrôle pas, il est rect, hein, clairement, puisque je fais T3, boum. Après, il peut contrôler s'il a champ du cristal plus Hero Power. Tra ah, il a tout eu, quoi, mais quel démon C'est pas tellement grave, en fait, c'est juste C'est juste agaçant. Euh... Ah, là, je suis un peu rect. Ça, celui-là, je dois vraiment le garder, malheureusement. Si j'ai l'occasion de jouer autre chose, il faut vraiment garder Les corps chars d'esprit. Ah, génial. Hop. Ça c'est cool par contre, c'est une carte qui est très forte dans le matchup, enfin dans, le... dans ce deck-ci en fait. Qu'est-ce que c'est que ces decks euh, tout chelous que j'affronte là Ok, hop, on va balancer ça, et on va pouvoir voir la synergie, par contre j'aurais peut-être du mal à le battre, hein, on va voir. Puisque là en fait, je vais pouvoir faire un écorcheur d'esprit là-dessus, et copier l'écorcheur avec ça, ce qui va commencer à me faire des créatures complètement débiles, que je vais pouvoir buffer, et ça va devenir ouf quoi. Ah, il va se faire. Euh... Oh, c'est un OTK. Oh non, me dis pas que c'est un vieil OTK de ces grands morts, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, merde Quel con Bah, vous voyez, misplay. <laughs> pas grave. Euh... Gros misplay. Euh, J'avais oublié que lui ne pouvait pas copier en fait une de nos créatures. Euh... Ah c'est un serviteur adverse. Ah, c'est méga chiant, du coup. Du coup, du coup. Du coup, changement de plan de jeu. Ah, ça s'est mal mis là, il y a eu un petit misplay. Après, bon, je vous dis, c'est un deck que je découvre également. Hein. Mais du coup, c'est vachement moins intéressant de jouer Silhouette ténébreuse en fait. Silhouette ténébreuse, du coup, ne proc que sur Rune de la Tombe en fait, en, en réalité. Ce qui est vraiment pas ouf parce que Rune de la Tombe, c'est quand même un sort super difficile à placer. J'ai quand même des grosses, grosses, grosses réserves. Ah, si, sur Terron. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il en garde un en fait, c'est un combo. Ouais. Le but du coup, c'est de faire un Terron et de le copier immédiatement. Ouais. Lui, il m'a tout l'air d'être un bon gros TK, hein, je vous le dis tout de suite. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de conditions pour que le deck se mette bien. Hein. Là évidemment l'avantage c'est qu'à chaque tour vous gagnez des points mais... Ici, ici c'est pas une copie de ça buffée en fait, hein. ça me donnera une 3-3 de ses morts, donc c'est un peu naze. Euh... Pff... Bah c'est tout, c'est ça. Hein. C'est ça, 5 et 1. Ah c'est terrible hein. Je trouve. Je pense que le deck est chouette dans l'idée. Pour l'instant, à voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de conditions en fait pour gagner avec. Il faut que vous ayez une belle sortie dès le début avec des créatures. Ce qui n'est déjà pas gagné, on l'a vu dans la game précédente. Il faut que derrière vous ayez vos sorts en follow-up. Il faut que le mec en face n'ait pas de silence. Il faut qu'il contrôle pas vos créatures. Ah ouais, c'est un vieux deck OTK. Il y a encore des morts pour jouer ça, quoi. Le but, en fait, c'est ça c'est que sur les sabres de mana, vous les dupliquez, etc. Et ça devient ouf, et voilà, voilà. on lui, il a déjà pioché tout son deck. Je peux bien le, bien le recte avec un petit miroir des âmes. Donc, évidemment, il y a la mécanique Galacron mais vous avez très peu de conjuration dessus. C'est certainement juste pour la value. Ah, ouais, il joue ça en plus, d'accord. Et le paye 4, ouais, c'est pas mal. Ok. Ok, ok. Euh, on va copier ça, je pense. On va copier ça et tout mettre face. On va profiter du fait qu'ils sont un peu lents. moi voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt à Muro... Aux... Ouais, il y a un intérêt à Murozond, hein. carrément. Il okay, a un intérêt à Hop. Ça va pas me replacer les cartes, mais ça va me faire vraiment un putain de board, normalement, si j'ai bien calculé. Par contre, ça aurait pu foirer, j'ai eu un peu de succès. Voilà. Donc ça me fait un bon board. Lui est plus lent que moi, donc je peux peut-être le prendre de vitesse grâce à ce board qui est quand même assez énorme pour un druide. Après, là, on n'est pas du tout dans la mécanique du deck, hein. franchement. On s'adapte. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. <laughs> bon, ça c'est évidemment. Ne faites pas ça chez vous. Si vous voyez ce deck et que vous vous dites putain, ça déchire comme deck druide et tout, non, non, c'est de la merde. C'est clairement de la merde. Là, contre n'importe qui, le mec est déjà mort depuis longtemps. C'est juste que là, je joue un deck un peu spécial également, du coup bon bah voilà, il a il a sa petite chance et il a su la prendre et il faut remarquer aussi qu'il a fait quand même une très bonne sortie. Pour l'instant euh, assez mitigé, assez mitigé sur ce druide sur ce prêtre cube, j'ai quand même un doute. OK, c'est cool parce qu'on a des match-up un peu différents là. Allez, on va essayer de tryhard. Donc là c'est pas ce qu'on veut, ce qu'on veut en main de départ c'est le démon abject, les disciples de Galacron, ainsi que les tisvoiles voiles l'écorcheur, Terron éventuellement, qui peut ne pas être trop dégueu. Donc là on rejette tout ça. Comme je l'ai dit dans la première game, un deck dans lequel on peut vraiment à mon avis faire beaucoup de mauvaises sorties, du genre ça, très mauvaise sortie. Ça c'est clairement une carte combo. Certes si vous arrivez à faire le combo c'est vraiment fort, mais, euh, mais vous risquez de la garder comme là pendant 4-5 tours en main. Là c'est pareil, je dois jouer ma 2-3, sinon j'ai rien. Et s'il me la contrôle, ben, j'ai que dalle. Mais qu'est-ce que c'est que ces decks que j'affronte Mais c'est un truc de ouf là. Franchement les mecs, les gars, ils sont tous en train de faire des decks de fifou. Euh, là par contre on va pas faire le dingue, on va mettre ça. On va garder le tease voile. Celui-ci va se réveiller sur le T4. Est-ce que, est que je peux poser mon, mon C-Tech, là oh, J'ai bien envie, hein. Shit, évidemment ça se met comme ça. Hein. But, vous savez quoi, je vais mettre le c c'est ça le plan. Je vais mettre le c s'il le contrôle pas, bah voilà, là je balance le gros buff là-dessus et on se régale. S'il le contrôle, c'est pas grave. Je pose le sabre de mana en fuite. J'ai une 3-5 et une 3-5 ici. Vous, vous vous rendez compte que ça c'est une 3-5 pour 2 et ça c'est une 3-5 pour 4 Ouais voilà. T'es sûr, hein, fallait s'y attendre. Je vais pas buff cette créature, Il a pas d'intérêt, j'ai pas d'autres petits voiles. Ça m'intéresse pas. Euh, je vais juste mettre ça. Euh, la logique c'est de, de contrôler ça en fait. Et voilà, là ce qu'il y a de formidable, c'est qu'au prochain tour sur le sabre de mana, bah, je peux balancer si on de la psyché, je l'aurai en double. Ça va me faire des 4-7, c'est vraiment pas mal. Bon dans ce match-up il va être assez agressif. Puisqu'il va me taper à tous les tours. Donc, il va tuer celle-là, évidemment, ouais. Ok. Vais-je réellement perdre contre ce deck Hop, le sens ici, c'est bien évidemment une double scission de la psyché. Alors, pour gagner, il va falloir le prendre de vitesse. Hein, c'est pas possible autrement. Euh... Il n'y a pas trop d'intérêt à utiliser Rénovation. On essaiera plus de l'utiliser en heal. Ouais. C'est pas mal, hein, du coup, d'avoir récupéré ça. C'est pas mal! Les, euh, les apothéoses qui vont vraiment être très importantes, hein, puisqu'il va me mettre très cher très vite. Il faudrait, si je pioche rune de la tombe ici, je suis bien. Puisque je pourrais faire rune de la tombe et silhouette euh, en ténébré. Ouais, mais c'est ça le problème, hein, gros. Bah ouais, je vais balancer le dragon, la value qui arrive. Une belle 4-9, ça fait plaisir. Un dragon pas dégueu, pas dégueu vu ce qu'il joue, hein, les 8 PV qui peuvent être vraiment bien. Alors je rappelle son arme pour ceux qui connaissent pas, parce que ça commence à dater. Euh, ça le rend insensible quand il attaque. Euh, donc il paye 2, il a une 3-2 qui le rend insensible. C'est évidemment très très fort. Euh, mais en fait ça, ça implique de faire un deck qui tourne autour de ça. Ce qui est un peu faible. Là par exemple il est un petit peu rect. Hein. Sans compter qu'elle n'a pas des charges illimitées. Je pense que ça serait vraiment très fort si elle avait des charges illimitées. Mais là il doit quand même payer à chaque fois. Voilà. Mais maintenant... Bah ouais mec. <laughs> Et ouais maloute Là il y a peut-être un move à faire avec, mon, avec notre ami Il y a même carrément un move à faire en fait On va tuer ça euh, attendez que je fasse pas de la merde Le but c'est de garder les deux En de les blesser Ça c'est ok Vous faites pas avoir quand vous êtes à 10 de mana évidemment avec le sabre de mana vous pouvez pas avoir 11 hein. Donc ça on peut le faire Ça va me les réinvoquer quand il sera mort Ça me va Ouais 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 le but c'est ça du coup 3, 2 ah, y avait ça, ça aussi était cool, hein, mais là, le copier, copier lui, c'est vraiment pour ça qu'on fait le deck. Donc, bah, c'est tout, on va le tenter, on va se mettre un pouvoir héroïque. Hop. Voilà. Du coup, lui devient un monstre qui réinvoque des monstres. Et là, vous êtes en plein. C'est cool, ce sera une bonne game pour vous montrer comment le deck fonctionne. Euh, donc, là, on a vraiment une value qui est énorme. Surtout que je rappelle qu'à l'intérieur de ça, il y a les dragons squelettes qui me redonnent des cartes. Donc, il faut bien considérer que oui, on a une value de ouf. Mais en pratique, euh, c'est pas si dingue que ça. Puisque ce combo sortira quand même très rarement. Bon, là, mon gars, t'es loin du compte. Il hein, va falloir faire beaucoup plus de dégâts que ça. Ok. Ouais, bah alors là, c'est fini. Hein. Bah, forcément, on va mettre ça là-dessus. Hop, et hop. Bon, là, j'ai gagné. Hein, il, peut, il peut absolument rien faire. Hop, s'il tue mes créatures, il est recte. S'il les tue pas, il est recte aussi. Après, vraiment, là. Je vais en refaire une après, je vais en refaire une pour me faire un avis. Mais là on a vraiment eu une belle sortie. Hein. Avoir, vous euh, voyez qu'il me reste 19 cartes dans le deck. Et j'ai eu au bon moment Silhouette Ténébreuse, qu'on ne joue qu'en un exemplaire, il faut bien le noter. Et j'ai eu également Terron Fiel Sang, qu'on ne joue qu'en un exemplaire. C'est-à-dire qu'en termes de chance, sur 11 cartes, j'en ai eu deux. Euh, j'ai eu les deux bonnes cartes sur 11, sur 11 cartes. C'est quand même des chances relativement faibles. La seule solution qu'il aurait pour revenir, ce serait d'avoir un double assommé. Mais euh, dans ce deck là, il les joue pas. Donc là, il a perdu. Je sais pas pourquoi il... il attend comme ça. Mais là, c'est fini. Hein. C'est fini depuis un moment. Ça fait combien de temps 21 minutes. Par contre, ça joue assez vite. Ok, on va en refaire un petit pour voir un peu ce que ça donne. Bon, je pense quand même que cette game a été gagnée. Parce que, euh, que j'ai eu beaucoup de chat. La vérité, j'ai eu beaucoup de chat. Parce que si vous vous retrouvez avec Teron Fielsa en main. Et que vous n'avez rien à sacrifier d'intéressant, ce qui arrivera souvent. C'est le problème du prêtre. Le prêtre, il a de quoi faire des monstres de ouf. Mais souvent, eh ben, ces monstres vont se faire contrôler. Parce que les gens savent qu'il a des buffs. Notamment Apotheos, qui fait très peur à la moitié des decks qui sont des decks agro. Ici, on doit tout renvoyer. On va être contre un. Ben, C'est bien, parce que par contre, franchement, 5... 4 matchs. Et euh, à chaque fois, des decks vraiment différents. 4 classes différentes. On joue contre un 9 diamants, Panicos. Très bien, très bien, Panikos. Alors, ouais, pour en revenir sur la mode des youtubeurs en ce moment, des youtubeurs Hearthstone, hein, et je parle également des youtubeurs anglais, ça n'est pas qu'une vanne déguisée sur The Fichu, à qui je souhaite le meilleur évidemment, mais euh, beaucoup de gars en ce moment cherchent un peu, est-ce que je fais du wild Il y a des mecs qui se spécialisent sur le wild, notamment par les youtubeurs français, qui l'ont un petit peu évoqué. Euh, ça part un peu dans tous les sens, je vais pas vous mentir. Euh, moi je pense que le wild en fait c'est. C'est une porte de garage, hein. c'est mort le Wild, hein. honnêtement, je vous le dis entre nous. Le Wild, si vous avez du plaisir à jouer dedans, continuez, parce que c'est ce qui compte dans un jeu vidéo, c'est le plaisir. Le problème du Wild, c'est qu'en fait c'est une méta qui est beaucoup trop stagnante. Qui plus est, euh, comment dire Qui plus est, c'est une méta... Euh, il y a un terme médical pour dire ça, mais débile, en fait, si vous voulez. On va prendre ici, attendez, on va prendre que je réfléchisse. Il me fait une belle sortie là, quand même. Hein. Par contre, il va falloir faire attention. On va prendre ça. Et on va le copier. Et, euh, et on va faire euh, Terron, euh, Silhouette, enfin ça va partir en couille en fait, c'est l'idée. Le port c'est pas dégueu en fait. C'est même très bien. Il est en train de tout mettre, j'ai hein. vraiment pas de problème avec ça. Et en plus ça nous, ça nous permet quand même de faire notre combo comme on veut. Hop, il faut juste pas qu'il tue la 3-3 là. S'il la tue pas au prochain tour je fais Silhouette et Terron, fier le sang. Donc on va vraiment être caviar-caviar. Idéalement il faudrait passer une de la tombe. Ouais, il se ralentit un petit peu. Il va juste falloir que je trouve vite une apothéose et ça devrait être la win. Euh, alors ici, oui. Oui, on prend le trade. Et on sacrifie. Je vais récupérer 2 de 4. Et à l'intérieur de mes Terronfiel il y a des... Euh, il y a des 3-3 euh, qui réinvoquent elles-mêmes. J'espère qu'il prend bien Terronfiel Sang. Euh, les créatures que j'ai tuées avec J'espère qu'elles gardent leur râle d'agonie tuning Si j'ose dire Le problème c'est que là Voilà On se retrouve dans une situation Le mec il joue face Il a fait une putain de sortie de malade dès le départ Et là ça va être très dur Puisque je vais être obligé de tout contrôler Je trouve une scission de la psyché Je vais devoir tout contrôler hein. Je suis obligé Sinon je suis pratiquement mort au prochain tour On va mettre Terron Fiel sang. On va mettre ça sur Theron. Bon là vous voyez on a une value de malade Là typiquement on a vraiment une value de fou furieux. Si tu t'es on fait le sang, c'est euh, carnage. Là je peux le doubler, c'est très fort, certes. Mais regardez ce qui chope. Et c'est le problème du deck. Voilà. Et en fait, c'est ça le souci, c'est que soit vous allez tomber contre des DH, miroir des âmes n'a pas d'intérêt. Je pense que j'ai perdu quoi qu'il arrive. Il a combien 6, 9, moi je peux monter à 13. Je peux pas tuer tout le monde. Je peux pas tuer tout le monde et me healer en fait. Je peux laisser une 1-1, c'est pas grave. Ok. C'est un peu terrible hein, là. Ah si, je dois les tuer. Hein. Fuck. Hein. Si, si. Si, parce que c'est ma seule chance de survivre au prochain tour en réalité. Ici, il peut me mettre 4. Avec son pouvoir héroïque, s'il a rien en main, bah, je reste en lice, mais... Pff. Voilà. Euh, il a le port qui lui donne la win. Ça me fait penser à beaucoup. En fait, ça me fait penser à beaucoup de listes qui, euh, qui ont vu le jour dans Hearthstone. J'imagine que c'est pouvoir... Ouais, c'est feu, il va me shot. Donc là, ça veut dire que si je veux garder une chance, je ne dois pas le taper. Euh... Ouais, 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 il me faudrait Apothéose. C'est marrant sa version, c'est une version du Deck Face un petit peu Tuning. J'imagine que c'est une version Low Cost, en fait. Puisqu'il a quelques créatures un peu bouge trou Et non, le... le pouvoir qui ne tombe pas. On va quand même mettre ça. Monsieur, que ce sang vous ramène à la non... J'ai regardé ce qu'il a en main, tiens. Ouais, c'est nul. Euh... Je peux pas taper parce que sinon il me tue forcément au prochain tour. Là, je tryhard un petit peu, hein, mais bon. Ouais, quoi. pas vous mentir, ça sert pas à grand chose. Hein. Il va finir par trouver un sort à Medface, face. C'est sûr et certain. Pour l'instant, toujours bah, Il est emmerdé parce qu'il a son vieux tracker phasique qui sert à rien, là. Et moi il faut que je trouve Apothéose Non, pas ça. Aucun intérêt ça. Je vais peut-être suicider cette créature. Je peux pas taper, je le rappelle, parce que si c'est un piège de feu, j'ai automatiquement perdu. Et je cherche en fait, c'est pour ça que je, euh, je tue mes propres créatures. Je cherche. Euh, je vais mettre ça, tiens. J'aurais pu le mettre avant. Euh, mais là, de c'est perdu, hein, je vais vous dire... Je tryhard un petit peu pour rigoler, pour qu'on voit un petit peu du jeu, mais là... Ouais, il est content, il a chauffé. Regardez, t'es comme il est content, quoi. C'est un truc de ouf. Bon, c'est bien, mec. Allez, joue ton truc, vas-y. Allez, vas-y, fais-le. Do it. Do it. Ah, il fait le pouvoir. Ah, c'est le BM. Regardez-moi ce level de BM, quoi. Le mec est tellement content, quoi. Il gagne une game. Ah, c'est fou, mec. Waouh. En plus, il est malin et tout. Vous avez vu, il fait des moves et tout. <laughs> oh, putain, c'est pas croyable. Bon, sérieusement, allez. Le. Euh... Bon, le prêtre cube, je pense que c'est un petit peu de la blague. Ça peut être fort dans une méta qui est très lente. Peut-être en. Peut-être en top légende éventuellement. Puisqu'en top légende, les mecs jouent quand même beaucoup moins aggro. La plupart du temps. Vous allez vous faire prendre de vitesse, simplement. Vous allez tomber sur des mecs qui sont plus rapides que vous. Je pense que c'est trop long. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, je remercie bien évidemment tout le monde qui s'abonne, qui soutient la chaîne. Ça fait super plaisir. Je regarde les abonnés 20 fois par jour. Ma meuf n'en peut plus. Je fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.